Excuse-moi. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ça, mais je te vois souvent ici, puis je voulais dire bonjour. Ben, bonjour. Bonjour. C'est juste, je trouvais que t'avais l'air sympathique, puis on n'a jamais eu la chance de se parler. Ben, moi, c'est Julien. Aurélie. OK. Je vais te laisser mon numéro. OK. Puis on pourrait prendre un café quand ça donnera. OK. OK. Fait que, ben, bye. Bye. Allô? Allô, c'est Aurélie. Je sais pas si tu te rappelles de moi. On s'est rencontrés au café. Je voulais juste être sûre que j'avais le bon numéro. Oui. OK, bye. Allô? Allô, c'est encore moi. Je voulais juste être sûre que t'avais pas changé de numéro. Tu sais, des fois, ça arrive. Le gars, il déménage, il change de nom, puis il prend une injonction pour plus que je l'appelle. C'est maintenant facile pour moi de développer rapidement des relations intenses avec des hommes. Mon secret? La dépendance affective. Avec la dépendance affective, je peux développer des sentiments amoureux non réciproques pour un gars en un rien de temps. Je vais y aller, moi. On pourrait prendre un café tout de suite? Ben, plus tard, peut-être. Ah, là, c'est plus tard. On prend un café? OK. ça marchera pas, finalement. Ah, dans le fond, ce que tu veux me dire, c'est qu'on va souper ensemble? Non. Fait qu'on s'entend pour le lunch? Non. OK, tu surveilles tes carbs parce que tu vas être plus cotte pour une autre fille, je comprends. Mais ça me dérange pas, là. Moi aussi, je vois plein d'autres mondes. Demain, on pourrait bruncher vers quelle heure? Ce sera pas possible. Petit déjeuner, moi, je suis disponible de 4h du matin jusqu'à 10h. Sinon, on peut se penser en hier soir. Il faut que j'y aille. Ben, tu t'en vas où? On pourrait boire un café en marchant? Je bois plus de café. J'ai un assortiment de tisane. Avec la dépendance affective, j'ai plus besoin de respecter les limites des autres. Je me sens enfin justifiée de contrôler et manipuler pour m'infiltrer dans la vie de celui que j'aime vraiment. Fait que c'est bon pour le café? Je vais aller te chercher. Je vais emprunter l'auto de ma mère, elle marchera pour aller à sa dialyse, c'est pas grave. Je te rejoins où tu veux avec un thermos plein d'un breuvage chaud ou froid comme tu préfères. Oh, ou non, je nous book un voyage en Colombie pour une semaine. On ira cueillir nous-mêmes nos grains de café. Bouge pas, je vais aux toilettes. Veux-tu venir avec moi? Ça va. Quoi? Je suis sur la toilette puis je m'ennuie de toi. Ah, tu t'en vas? C'est pas grave, je t'aime assez pour deux, j'ai pas besoin de toi dans ma vie. Mais je te donne mon condo. Enfin, j'ai trouvé le genre de relation amoureuse malsaine et toxique qu'on retrouve dans les romans. Merci, dépendance affective.